Comme ça, tu vas être contente. Tu vas passer un beau week-end. Voilà, on va. Ah là là. L'exemple du Canada a montré que le gouvernement canadien a dit on va punir tous ceux qui soutiennent le convoi. Ils ont bloqué les comptes en banque. Les gens du convoi ont dit, ils ont dit, vous avez qu'à nous envoyer des bitcoins sur quel compte? Et ils ont bloqué les comptes des bitcoins. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ça veut dire que quand les gens disent, mon argent est à l'abri du gouvernement puisque je l'ai mis dans des bitcoins, je leur dis, ben, l'exemple canadien, mon tenait. Voilà, c'est excellent pour nous. Et l'autre, l'histoire de la guerre avec la Russie, montre qu'en 48 heures, ils ont été capables d'identifier tous les biens et les yachts des milliardaires russes et de les bloquer, etc. J'ai dit, ben ok, on va parler avec les milliardaires français et les milliardaires américains. C'est vrai, ça prend tellement des belles photos, c'est pour Thalas là, flottant. Ça prend des belles photos. Moi, je vais t'enregistrer, hein. Ah ben, oui. Je te suis, toi. Je reste avec toi parce que, regarde, si j'ai faim, si j'ai une petite faim. Moi, j'aime. Moi, je suis pas comme Boucha, j'aime pas qu'on me dise quand je distribue. Ça n'a pas de souci. Tu fais bien, madame. Ça fait très bien, pas toi. Non, je comprends. J'aime pas ça du tout, mais t'as bien fait. Les gilets jaunes à la Bastille. Thank you.
Thank you.
le pianiste, s'il te plaît. Là où j'ai là où c'est toujours en haut. Les gilets jaunes sont là. Là. Protégez, protégez. C'est bien, et toi. Pour le chourier, oui, pour les jeunes, et pour Jean-Claude, et pour les autres, on lâche rien. Thank you.
pas le foulard, il se tombe sur moi. Et encore, j'ai pas le foulard. Ramène-le chez nous. La prochaine fois, tu traînes.